Bonjour tout le monde, nous sommes le dimanche 19 juillet 2020, il est 6h10, je suis à Sucy, il n'y a pas un chat, c'est normal, on est dimanche. Bon, et donc je vais rouler aujourd'hui sur le 208, je commence à 7h17 et je finis à 13h55. Je commence au dépôt et je termine à la gare de Champigny. J'ai laissé ma voiture là-bas. J'ai pris le RER pour venir à Sucy. Je vais prendre le 393 pour aller au dépôt. Le premier 393 le dimanche à Sucy, il est à 6h30. Et voilà. Il fait beau. Il va faire chaud. Et là, c'est vraiment, on dirait que c'est le confinement. On dirait que c'est le confinement. Voilà, donc 208 aujourd'hui. Je travaille pour un collègue. Alors ça, oui, je vous avais pas expliqué. Donc, je travaille pour un collègue. Et donc, je prends une journée de temps supplémentaire. En été, la moyenne, c'est 7 heures. Donc, ça va me faire 420 minutes qui vont être créditées sur mon compte de temps supplémentaire. Et à lui, le collègue, on lui enlèvera 420 minutes sur son compte de temps supplémentaire. Voilà, c'est le principe des vases communicants. Et 420 minutes, moi avec mon ancienneté, aujourd'hui 26 ans, la minute elle est à 33 centimes la minute, brute bien sûr, toujours. Donc 420 multiplié par 30, par 0,33. Et ensuite, on enlève les cotisations sociales, c'est-à-dire la RATP, c'est 22,65%, je crois. Donc vous faites 420 fois 0,33 et ensuite vous enlevez 22,65%. Je ne sais pas combien ça doit faire. En net, ça doit faire entre 130 et 150 euros la journée. Quelque chose comme ça, je ne sais plus. Voilà, donc pour l'instant, ce temps supplémentaire, je le laisse sur mon compte, puisque j'en ai pas besoin. Mais si j'avais besoin d'une petite rentrée d'argent ponctuelle, je pourrais me faire payer ça. Voilà. Et sachant que pour se faire payer ça, il faut faire la demande par écrit avant le 25 du mois en cours et le paiement s'effectue le mois suivant. Donc il faut y penser quand on a besoin de se faire payer des heures sup, enfin du temps. Il faut toujours penser que c'est payé un mois plus tard. Donc on demande avant le 25 et on le reçoit le mois suivant, à la fin du mois suivant. Voilà. Bon ben bonne journée à tous. Je vais vous filmer encore le 208 aujourd'hui. J'ai emmené la caméra. Voilà. Bonne journée tout le monde. Bon alors je vous ai fait le calcul. J'ai été loin du compte, hein. 420 minutes multiplié par 0,33. Moins 22,65%, ça fait 107 euros net. Voilà, 107 euros net la journée si je me fais payer cette journée. Voilà, mais ça peut aussi, si j'ai pas envie de me la faire payer, je peux la garder et puis poser un jour de repos. Voilà, donc on fait ce qu'on veut avec, soit on se le fait payer, soit on prend des journées de récupération. Voilà, donc j'avais dit entre 130 et 150, j'étais un petit peu optimiste. Ça fait 107 euros net la journée. Voilà. Ou alors une journée de repos supplémentaire. Enfin supplémentaire non, puisque aujourd'hui j'aurais dû être de repos et je travaille. Donc je peux récupérer cette journée si je ne me fais pas payer. Voilà, bonne journée à tous.